Hola les amigos, c'est Bubu pour une map libre. Donc je reviens vers vous dans cette vidéo pour faire du build. Nous allons faire le Tiger, il est à la suite dans l'application Vaptool. Donc nous allons faire le Tiger. Le Tiger c'est vraiment un build vraiment simple à faire. Vous allez voir, c'est un peu le même style en fait que le Twisted si je dis pas de conneries. Sauf qu'à la place d'avoir deux fils ronds, nous allons avoir un fil rond et un fil plat. Donc là, le seul truc qui est un peu compliqué dans le Tiger, c'est pas vraiment compliqué, comment vous dire, c'est qu'il faut savoir. Par exemple, moi j'ai essayé de faire un Tiger avec du ribbon 0501 avec du 24 gauge. Le problème, c'est que en fait, le 24 gauge est épais et du coup, quand il s'est torsadé, il a englobé en fait mon ribbon et mon ribbon, on le voyait vraiment plus. Donc en fait, le Tiger, il sert plus à rien, ça fait plus, il fait plus son effet. Donc moi, j'ai trouvé que le 26 gauge NI80 et le 0501 ribbon NI80, c'était un bon mélange en fait. Le ribbon s'enroule bien autour du 26 gauge, donc il n'y a pas de souci. Donc vous allez voir, c'est vraiment un build simple à faire. Hein, il faut juste un tourébois ou une visseuse. Donc pour chaque, comme chaque vidéo de build, je vais faire un plan de préparation, un plan macro pour voir comment le build se réalise et après un plan large pour voir la finition. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à passer à la préparation. Me revoilà pour la préparation. Donc comme je vous ai dit, je vais faire avec du 26 gauge. Donc déjà, nous allons étirer notre fil. Donc on va faire à peu près... Hop, là j'ai 20, 30, 40. Allez, on va faire 50 cm. Tac. Parce qu'en sachant que bien sûr, vu qu'on va le torsader, il va rétrécir. Donc en faisant 50 cm, je pense qu'il va me rester à peu près 40 cm. Donc là, d'abord, là, vous voyez le fil, bien sûr, il est torsadé, il est enroulé, je viens de le couper. Donc là, on va le rédire. Donc on le met dans le petit touré. Hop. Hop. Olé. On prend la petite pince à bec rond, on pince, on met le touré en route et on fait tourner la machine. Et voilà. On tient, on guide et c'est bon, ça c'est fait. Hop là. Donc maintenant nous allons couper un ribbon de la même longueur que le fil qu'on vient de couper. Donc là on va prendre le ribbon un peu plus long parce que du coup il va falloir qu'on l'enroule autour de notre fil. Donc hop, on coupe un ribbon un peu plus long. Hop. Tac. On coupe le ribbon. Alors là, il va falloir prendre votre âme. Comme ça, on prend le ribbon et on va l'enrouler. Oh. Et on va l'enrouler autour. Voilà. On va bien enrouler de partout. Il faut l'enrouler le plus possible. Et après, on va bien serrer le touré. Hop. On va y faire même un petit nœud. Vous voyez, je le pince, là, j'ai fait un petit nœud. Je l'enroule bien. Parce qu'il faut que le ribbon soit bien pincé, en fait, avec votre âme. Une fois que ça, c'est fait, vous prenez, vous étirez, vous allez jusqu'au bout de votre âme. À votre âme, pareil, vous arrivez au bout, et vous l'enroulez autour de votre âme. On va aller faire plusieurs tours pour bien l'enrouler. Voilà, il est enroulé.
Maintenant, il n'y a plus qu'à le remettre dans le mandrin. Vous passez bien au milieu. Et là, il faut bien serrer. Bien serrer pour que votre fil, votre ribbon, en fait, il soit vraiment bien pris et bien coincé avec votre âme. Hop là, ça c'est fait. Maintenant, on va étirer notre âme là. On va l'étirer, on va le tenir bien raide. Vous le tenez vraiment bien raide. Et une fois que vous avez pincé, que vous tenez bien tendu, vous avez juste à faire tourner le touret. Et ça va se former tout seul. Donc là, j'ai fait un peu le départ. Et maintenant, on va passer un petit plan macro pour voir vraiment comment ça se torsade autour de l'âme. Hop là. Par contre, du coup, d'avoir lâché, ça se défait un peu. J'espère que ça ne va pas gêner pour le plan macro. Allez, on passe à macro. Voilà, en macro, je vais essayer de ne pas bouger. Vous voyez le fil plat. Et normalement, il va s'enrouler tout doucement en gardant bien la pince tendue. Vous voyez, il s'enroule tout doucement. Autour du fil rond. On va essayer d'aller un peu plus doucement. Voilà. Allez, on va repasser en plan large pour voir la finition. Nous revoilà en plan large. Donc là, vous avez vu, j'ai juste à tenir la pince bien tendue et je laisse tourner. Alors moi, je laisse tourner jusqu'à ce que ça casse. Et je regarde un peu mon ribbon, comment il se comporte autour. Parfait. Et voilà, ça a cassé. Ça veut dire que pour moi, c'est bon. Après ça, vous pouvez choisir vous, hein, les vagues, comment vous les voulez, tout ça. Ça, c'est chacun fait son propre style. Mais là, on voit bien le ribbon qui est bien entouré, en fait, autour. En fait, il resserre, en fait, l'âme, en fait. Et il est bien, il est bien serré contre le fil rond. Et il lui fait le nœud, en fait. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué, je vais vous dire, hein, une visseuse, une pince, vous la roulez un peu autour, vous tenez, et hop, vous laissez la machine, elle fait le reste. Tranquille, il n'y a plus qu'à se la régaler. Allez, nous pouvons passer à la conclusion. Nous revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu le Tiger, il n'y a rien de très compliqué pour réaliser. Il vous faut juste en fait savoir choisir les bonnes sections. Il faut juste, voilà, si vous avez les bonnes sections, le Tiger il se fait tout seul. Vous avez vu, moi bon, après je vais jusqu'à ce que le fil il casse. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que le fil il casse. Si vous préférez des vagues autres, vous pouvez choisir exactement les vagues que vous voulez. Après je trouve que quand moi le fil il casse, en fait, c'est là où le ribbon il est le mieux enroulé autour, en fait, autour du fil. C'est là où il est le mieux serré. Donc c'est pour ça moi j'attends que le fil il casse. Après ça, c'est un choix. Après, ce qu'il y a, ça a l'air d'être un fil simple comme ça, mais bon, c'est un fil plat mélangé avec un fil rond. Il pourrait être sympa, par exemple, bon, j'ai pas encore essayé, mais il pourrait être sympa de mélanger et de faire en parallèle, par exemple, un Tiger et un Clapton. Ça, ça pourrait être un truc à essayer, en fait. Parce que ça, je pense que ça doit donner un bon rendu de saveur. Donc c'est à essayer. Pour l'instant, bon, vous savez, j'ai fait un tuto sur le Clapton, donc vous pouvez réaliser le Clapton. J'ai fait un tuto sur le Tiger, vous pouvez réaliser le Tiger. Après, ça, c'est à vous d'essayer. De toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on sait que si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas. Comme ma mère, elle me disait, tu goûtes et tu me diras si c'est bon ou pas. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, abonnez-vous pour les autres vidéos, bien sûr le build, il sera gagné à la loterie, donc pensez à vous abonner,
Mettez un commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez, un peu plus d'explications pour les sections, les ci, les là, il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre.